Voilà, les graduations sont là. Là, pour pouvoir vous le montrer, ben, j'ai mis du scotch de chaque côté, là où je vais mettre le produit, parce que sinon ça se barrait. Mais tout seul, ça va bien. C'est vrai que l'idéal, c'est par la valve, hein, on s'emmerde pas autant. Là, c'était juste pour vous montrer. Donc, je vais mettre la moitié de mon bidon. 60, je l'ai bien remué avant, hein. Très très bien remué d'ailleurs. Encore un chouïa. Encore un chouïa. Et bon, je referme parce que sinon il va prendre l'air. Je fais basculer mon produit de l'autre côté. Ouais, tout simplement comme ça, hein. Voilà, comme ça je vais pouvoir finir de fermer. Et on y va. Attends, j'espère que le scotch ne va pas me gêner. J'ai remis un chouïa de savon là. Là, il faut aller en face, quoique recentrer ici pour donner du mou à la corde. Vous voyez, ça va être de suite mieux. Voilà, c'est monté. Et le plus dur, c'est de gonfler, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Par contre, au niveau des compresseurs, il n'y a pas de souci. Évidemment, avec tout l'afflux d'air d'un coup, ça se plaque tout de suite. Alors, je vais gonfler à 4,5-5 kg pour bien faire plaquer les lèvres. Et ensuite, je redégonfle. Et je regonfle. Je redégonfle à 2 kg, hein. Et je regonfle. Voilà une bonne chose de fait. Et comme vous le voyez, pour repérer ma valve, eh ben, elle est... Il a tourné un peu, mais elle est là où il y a la marque sur le pneu. Et un petit coup de décompresseur. Après, je mettrai un coup de chiffon sur le produit. Il reste et je ferai tourner le produit. Bon, effectivement, j'ai regardé, c'est marqué de 3 à 6 mois hein, sur le produit. Sinon, il faut le changer. Bon, je n'avais pas lu. Là, écoutez bien le clac. Là, je suis à 1 kg. 3. Regarde qu'il est tout bien centré. 4, 5. Je regarde de l'autre côté. On peut voir par rapport à ces nervures là, qu'elles dépassent toutes de la même dimension. Là il y a à peu près 5 mm, mais ça varie. Ça... Non, c'est bon, il est bien centré. Je vais le dégonfler un peu. Mettre ça en l'air, et bon, il va y avoir 500 grammes. Et maintenant, je gonfle 2,5 kg. Si je mets 3 kg, Jacques va m'engueuler. Là, je mets 2,5 kg. Dès que j'arrête de filmer, je mets 3 kg. Et ceux-là, ils sont plus gros que d'habitude. Donc, à 2,5, ça fait beaucoup. Quand même. Je laisse à 2,5 pour le moment. C'est vrai que 2,5, ça fait dur. Mais ceux-là sont plus larges. Je n'ai jamais roulé avec des 2,3. C'était toujours 2,1 maximum. Voilà, c'est bon. Et pour finir, je répartis le produit. C'est plus simple qu'à la main. Voilà. Ben bon courage, hein. Sans décompresseur, c'est dur. Je sais, j'ai déjà fait.
Bon. Voilà, du coup, ben, j'ai monté les deux, hein, comme j'avais toutes sorties. J'avais peur qu'il fasse un peu gros, mais non, ça va. 2-3, c'est bien, mais 2-5, par contre, ouais, ça doit être gros. Voilà, ben, vivement la sortie, pas aujourd'hui, vous avez vu, j'ai pas kiffé. Enfin, vous l'avez au moins vu à la télé, tempête et pluie. Voilà, je vous montre ça.